Laisse ça, laisse-le tout de suite, laisse-le. Laisse ça tout de suite. Non, monsieur. Non, mais tu n'as pas de rien. Laisse ça, laisse ça. Laisse ça tout de suite. Non. Mon gars, on y va. Bouge. Tu as de la chance de faire du mal, toi. Allons-y, mon gars. Dépêche-toi. Oh mon Dieu, arrêtez, s'il vous plaît. À l'aide. À l'aide. S'il te plaît, aide-moi. J'étais là et ils m'ont volé mon sac, ils sont partis par là. Ton sac, s'il te plaît. Ton sac. Attends. Oh. Hey, mon argent est parti. Oh mon Dieu, à l'aide. Aïe. Bouge de là, vieille femme! Maman, désolée, ils sont déjà partis. D'accord, c'est bon, ils sont partis derrière moi. J'espère que vous n'avez pas été tout mal. Ça va, s'il vous plaît. Désolée, maman. J'espère que vous n'avez pas eu très mal. J'ai très mal. S'il te plaît. D'accord. Allez appeler mes filles. Allez appeler pour moi mes filles. S'il vous plaît. Maman, désolée, ça va aller. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Ça va. Il y a moi. Ça va aller, maman. C'est bon. C'est mon fort. Je n'arrive pas à me relever. Ça va. Désolée, maman. Ça va aller. Désolée. C'est mon fort. Désolée. Ça va. grande sœur. Quoi? Peux-tu imaginer? L'ami de l'oncle a dit qu'il t'aime et il peut tout faire pour toi. L'ami de ton oncle? Oui, non. A dit qu'il m'aime. Il me dérange comme pas possible. Hein? Donc c'est comme ça qu'il se promène partout pour chercher les filles à décevoir? Bien sûr. Peut-il prendre soin de moi? Non, regarde-moi très bien. Est-ce que l'ami de ton oncle peut prendre soin de moi? Jamais. Laisse-moi te dire, je vais finir toutes ces poches. Je te fais confiance. N'importe quoi. Je sais ce que tu peux faire. Je ne fais pas ce genre de choses. Mon hobby m'est suffisant pour moi, ok? Alors je n'ai pas besoin de lui. Mais qu'est-ce qu'il y a, non? Pourquoi est-ce que tu t'essouffles comme ça? Heureusement que je t'ai trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut voir ta mère. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ma mère? Par une moto. Hein? C'est vrai? Elle est juste là-bas devant. Allons-y, vite. Maman, je suis désolée, hein. Je suis désolée, maman. Tu vas bien te porter. Allez, arrête ça, j'ai très mal. Maman, ça va aller. Calme-toi. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman. Ma soeur, comment ça va? Je ne sais pas de quoi il s'agit. J'étais en route vers mon business et quelqu'un est venu me dire qu'elle a été tamponnée. Et puis, c'est pourquoi je suis venue te rapidement. Désolée, maman. As-tu mal? Oui. J'ai mal aux manches. Tu marchais et tu as entendu voum, voum, voum. Oui. Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive, non? Veux-tu nous tuer? Ils ont failli me tuer. Toi, tu dis que moi, je vais vous tuer. Hein? Comment tu peux dire ça? Ce n'est pas du tout gentil. Comment est-ce que ces messieurs étaient aveugles? Pourquoi est-ce que tu dis moi ça? Moi qui ne vois pas, comment je vais le voir? Je ne le connais pas. Oh. Je ne le vois même pas. Nim, calme-toi. Hein? Calme-toi seulement. Maman va bien s'y porter. C'est juste un petit problème. Ça va passer. Non, mais comment tu pouvais aller seule dehors, non? Tu connais ta condition. Mais je voulais quand même marcher un peu, non? Vous savez que je maîtrise bien l'environnement, alors j'y avais mon bâton. Maman, ce n'est pas vrai, tu ne connais pas, hein? S'il te plaît, tu dois parler à maman. S'il te plaît, parle-lui. Elle exagère. Non, pas jusque-là. Calme-toi, hein? D'accord? Mais pourquoi elle crie? Je ne crie pas. Je suis fâchée contre toi. C'est la même chose, non? Maman, c'est bon. Calme-toi. Non, ça ne va pas. Dis-le d'arrêter de crier sur moi. Désolé, je ne crie pas sur toi, maman. Désolée, elle n'étonne pas sur toi. Si on continue de faire ça demain, je partirai d'ici. Maman, calme-toi. Ok. Non, tu ne peux pas ma chérie, calme-toi. J'utiliserai mon bâton et arriver jusque-là, comme toujours. Allez, maman. Qu'est-ce qui est marrant, s'il te plaît? Maman, s'il te plaît. D'accord. Maman, essaye de t'apaiser. S'il te plaît, maman. Je vais commencer à venir ici pour te prendre pour aller en balade, même si elles ne sont pas là. D'accord? Tu vois la façon dont tu me parles. C'est comme ça. Tu es un bon garçon. Dieu te bénira.
C'est très gentil et très doux. Mon Dieu, tu Amen. Bénira. Amen. Hein? Amen. Amen, maman. Maman, juste ne sors pas de la maison, ok? Et tel que je t'ai promis que je viendrai toujours, d'accord? Okay. À tout moment que tu as besoin de moi, tu me verras, ok? On est désolé pour toi. Dieu va te bénir. Tu es un bon homme, donc tu pries pour lui. Vous voyez? Hein? Elle recommence. Je n'aime pas ton comportement, maman. Si quelque chose t'arrive, je ne sais pas ce qu'on va faire. Tu es tout ce qu'on a dans cette maison. Qu'allons-nous donc faire? Bon. Calme-toi. Dieu te bénira, mon fils. Amen, amen, maman. Dieu te bénira. Amen. Rien de mal ne lui arrivera. Rien ne m'arrivera. Rien de mal ne m'arrivera. Rien n'arrivera, maman. Je suis forte. Hein? Bon, amène maman à la maison. Fais un peu d'eau chaude pour la masser. Non, non, hein? Ne me touche pas. Non, je vais rester ici. Oh. Non, je c'est juste avoir de l'air frais. Juste l'eau chaude. Elle est fâchée contre moi. Non, maman. Arrête. Si elle revient normal, si elle revient. Je vais rester la douleur. La douleur va augmenter si elle ne fait pas ça, maman. Ça ne me fait plus mal comme avant. Oui. Maman, il raconte que je suis belle. T'es très jolie. Mais n'est-ce pas que tu es jolie, s'il te plaît. Tu sais qu'on t'aime beaucoup. Tu sais que je t'aime énormément, non? Tu m'aimes. Et pourquoi tu me parles de cette façon? Attends. Arrête, non. Oh, pourquoi tu es comme ça, toi? Dis-moi un peu, pourquoi tu es comme ça? Tu y es. Arrête. Arrête de faire ça. Oh, qu'est-ce que t'as, c'est quoi? Tu y aimes beaucoup jouer. Toi aussi, tu aimes beaucoup faire des tu blagues. Tu as réussi à me suivre jusqu'à la maison. Aya, tu peux partir à la maison. Je ne bougerai pas d'ici. Je ne bougerai pas d'ici. Chérie, merci beaucoup. Merci d'être toujours là pour nous. Merci d'être toujours là pour moi, maman et Ifeoa. Mon amour. T'es vraiment un envoyé de Dieu pour nous. Je peux faire n'importe quoi pour toi. Et je fais tout ça parce que je t'aime beaucoup. Bébé, t'es un envoyé de Dieu. Je te dis, Dieu va beaucoup te bénir. Qu'il te bénisse aussi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Voilà pourquoi tu es mon prince charmant. Merci. Et tu es tout pour moi. Tu peux partir maintenant. Je ne bougerai pas d'ici. Où tu veux que je t'accompagne? M'accompagner où? T'accompagner, non? Je ne bougerai pas d'ici, je t'ai dit. Oh non! Non, je resterai ici avec toi. Allez! Tu vois que je pars maintenant. C'est toi qui dois partir d'abord, je vais te surveiller. Je ne pars nulle part. Je veux que tu partes en premier. Je veux que tu partes en premier, ça c'est ma maison. Je suis à la maison. Ok, que je parte. Ça c'est bien, tu veux que je t'accompagne? Non. Ok, je te regarde partir. Tu ne vas pas m'arrêter. Ne penses-tu pas que tu as oublié quelque chose? Quoi? Tu ne m'as pas donné un baiser d'au revoir. Baiser d'au revoir? Ok. Ma chérie, reviens. Reviens. Allez, viens. Reviens. Je suis fâchée. Au nom de Dieu, je suis très très fâchée. J'aurais vraiment souhaité voir ces chauffeurs hier. Qu'est-ce que tu ferais? Hein, tu me demandes. Donc tu es vraiment ignorante, hein? J'allais vraiment utiliser mes dents pour couper sa chair. Vas-y doucement. Chérie. Obin. Chérie, bonjour. Bonjour, chérie, ça va? T'entends? Bonjour. Comment tu vas? Oui. Merci. Tu pars du boulot? Bien. Il fait moi. Je t'avertis. À chaque fois que tu voudras saluer mon chéri, ajoute messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, Wifi. Comment tu vas? Oui, ça va, monsieur. Obin, qu'est-ce qu'elle est en train de faire à la maison? Tu ne sais pas ce qui était arrivé hier? On ne parle pas d'école, oh. C'est maman. C'est pour elle. Elle est à l'intérieur. On ne bouge pas, on ne parle pas d'école aujourd'hui. Je sais que si nous bougeons d'ici, elle va aussi sortir. Elle va sortir. Elle va bouger de cette parcelle. Et on risquera encore de la tamponner. C'est ça. Tu avais entendu ce qu'elle avait dit hier, n'est-ce pas? Hein? Qu'elle ne bougera plus pour aller loin de cette place. Non, elle ne le ferait pas. Hein? Regarde, mon amour, ce n'est pas pour toi une raison de sécher les cours. Tu comprends ça? Tu dois être beaucoup plus sérieuse que jamais. C'est vrai, grande sœur. Oui. Écoute, ne t'inquiète jamais. Je commencerai toujours à venir pour voir maman.
je commencerai toujours à venir pour prendre soin de maman quand vous deux, vous n'êtes pas là. Chérie, ça sera difficile. Oh. On ne peut pas aller à l'école laisser maman toute seule. S'il te plaît. Non, nous n'irons pas à l'école aujourd'hui. Je viens à peine de dire que je commencerai à prendre soin d'elle quand vous deux, vous n'êtes pas là. Si tu pars à l'école, je commencerai à venir pour surveiller maman. Hein? Ne t'en fais pas. Dis-moi, hein? Est-ce que tu viendras prendre soin d'elle? Je t'ai dit que je viendrai pour prendre soin d'elle. Comme je t'ai dit, je commencerai à venir pour prendre soin d'elle. S'il y a un problème, je reviendrai encore. C'est oui. Merci, tonton. Oui, je te promets. Merci. Hein? Merci en tout cas, je ne veux plus que tu sèches le cours. Okay. Ok. Merci beaucoup, chérie. Je ne sais pas. Que Dieu te bénisse, tonton. Aussi, chérie. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Pas de problème. Merci. Et maintenant, allez vous apprêter pour partir à l'école. Aujourd'hui. Nous sommes déjà en retard pour aujourd'hui. Oh. Tu dis quoi? Mais non, il faut partir à l'école. Il faut partir. Attends, d'accord. Attends un peu. Je l'ai mis. Mais nous sommes en retard déjà. Non. Attendez, je vais vous donner l'argent des transports. Hein? Vous allez prendre le transport hein, pour d'accord. aller à l'école. Tiens ça. Ajoute ça. Dès que vous arrivez à l'école, achetez quelque chose à manger. Et moi aussi, je vais chercher qu'est-ce que je veux manger. Mais l'argent que tu as gardé est peu, non? Ce que tu m'as donné, c'est beaucoup. Ne t'en fais pas. Je suis en train de travailler. J'aurai encore beaucoup d'argent. Merci. Je suis en train de travailler, hein. Que Dieu te bénisse. Il faut déjà partir. Il faut pas partir. Tu es déjà en retard. Lève-toi, tu vas partir. Moi, je me suis déjà lavé. C'est elle qui doit aller se préparer maintenant. Hein? Prends soin de toi, ainsi je vais préparer pour toi, mon amour. Pas de problème, salut maman. Prends soin de toi, oh mon amour. Pas de problème. Merci chérie, c'est bon, hein. Oh, dépêche-toi, moi je suis déjà prête, je ne vais plus m'échanger. Oh, désolée. Désolée. Ici ton droit te fait mal. Ici ton droit a gonflé. Oui, cet homme valait beaucoup, il valait beaucoup à ma sœur. Juste parce que je n'avais pas accepté sa proposition. Hein? Voilà pourquoi il maltraite ma sœur. Tu n'as pas accepté sa proposition. C'est pourquoi il a fait ça? Peux-tu imaginer? Il a donné à Ikewa 12 coups de bâton. Quoi? Je te dis. 12 coups de bâton? Juste parce qu'elle a refusé. Ah! Comment est-ce qu'un enseignant peut donner à une fille? Comment est un enseignant? Je te dis la vérité. Je voulais penser à lui dire d'aller le dire à l'heure principale. Mais je me suis dit non, je ne voulais pas. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Non. Laisse ta sœur faire rapport au principal. Je pouvais, mais celui-là, c'est vraiment un fantôme. Il pouvait aussi me demander autre chose. Ça, c'est quelle école? Ils sont tous les mêmes. Ça, c'est quelle école? Ne t'inquiète pas. Ça, c'est bien. Hein? Prochainement, il ne faut pas te battre contre un homme. Il fallait m'appeler. Quand de telles choses arrivent, faut m'appeler. Laisse-moi venir vous défendre. Faut me laisser venir s'aimer la terreur. Hein, ma chérie? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas te voir souffrir. Regarde, je commence à voir très mal. Oh, ça me fait très mal. La douleur, c'est ça. Désolée. Laisse-moi. Tu vois, si je ne fais pas ça, la douleur ne va pas s'arrêter. Hein? Si je ne fais pas ça, ça ne va pas s'arrêter. Oh, mais non! Calme-toi, calme-toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Oh, si mes nerfs, ça fait mal. Bébé, calme-toi. Maman, comment ça va? Oh, fils. Maman, bonsoir. Asama, ma jolie. Maman. Ma jolie fille, regarde-toi. Maman. Voyez-moi cette jolie femme. Maman, tu m'as beaucoup manqué. Oh. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ma dulcinée. Mais j'étais chez toi la fois passée. Hein? J'étais allée voir ta mère après cet incident. Elle m'avait dit que tu étais allée à l'école. Oui, je t'ai passée à l'école. Maman, merci énormément. On nous avait dit. Si je ne viens pas, qui viendra? Asamba! Maman. Hey, Obi. Maman. Tu étais vraiment allée au marché avec tes yeux. Maman. Regarde ce que tu as choisi. Je vais bien me comporter. Regarde la femme que tu t'es choisie. Mais les autres n'arrivent même pas à choisir. Ils font seulement les yeux comme ça.
Je peux beaucoup, mourir maman. Pour elle, maman. Dieu merci, tu n'as pas fini dans les bras de ces prostituées qui courent partout dans les villages, ne faisant rien, sans éducation. Hein? Tu étais isolée, tu as choisi cette jolie d'air, la plus jolie de ces villages. Maman, hein? Merci beaucoup. Et tu me l'as apportée comme belle. Maman, tu peux le dire hein? Encore. La tu plus jolie de encore. Notre communauté. Merci beaucoup, mon fils, pour ces merci, choix. Merci, maman. Et wa, wa. Alors, que voudras-tu manger? Ah, hein? Je dans la cuisine. Azundo, hein? Un très gros poisson. Et les gombos, je fais juste la sauce. Mmh, spécialement préparée pour toi. Pour moi? Maman l'a fait spécialement pour toi. Pour toi. Maman, tu sais que j'aime ça. Hey, j'aime beaucoup le poisson. Je sais. Dans ce cas, partons à la cuisine. Je vais me servir moi-même alors. J'ai dit. Hey, mon gars. Ingem. Non, mon gars, tu vas aimer, oh. Je te jure. Je te dis vrai. C'est Dieu. Ah, tu es vraiment chanceux, mon frère. Tu es vraiment chanceux. J'aurais aimé avoir ta chérie fait. Je te jure. Elle est très belle. Très bien formé. Je te dis, mon gars. Non, mais c'est vrai. Tu c'est dis vrai. Des comme ça. Je te dis, écoute, tu vois cette fille, elle a tout ce qu'un homme peut vouloir. Je te dis vrai, mon frère. Elle a tout ce que veut un homme. Mais moi, je te dis la vérité. Tu peux le dire encore. C'est comme si tu ne comprends pas. Tu peux le dire encore. Il faut vraiment en profiter. Tu peux le dire encore. Écoute-moi, ton ami qui te parle. C'est vraiment de la chance que tu as. Tu vois, je suis en fait. L'homme le plus chanceux. Je suis vraiment très chanceux de la voir. En fait, quand je la vois, je suis vraiment excité de moi-même. Honnêtement, je suis vraiment heureux. Et je remercie le Seigneur chaque jour que je me réveille parce que j'ai Ifoma comme femme. Mon gars, c'est vraiment vrai, oh, je t'ai dit. Ah, je t'ai dit, surtout avec son corps là. Tu es vraiment chanceux de la voir. Hey. Il faut vraiment bien en profiter, mon frère. Je dis la vérité. Il faut en profiter. Je et suis l'homme le plus géré. Hein? Obinaya. Mais il faut vraiment faire attention. Oui. Il faut te calmer. Ne t'en fais pas. J'espère que tu m'as bien compris. Hein? Regarde. Ça, c'est la manière dont tu dois te comporter. Ça, c'est la manière dont tu dois te comporter lorsque ta femme est la meilleure. Hein? Quand ta femme est la meilleure, c'est comme ça que tu t'en comportes. Ton corps fait les là. Fais toko 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 toko. Hein? Hey? Obinaya est une belle fille. Hey! Obinaya. Regarde. Tu vois. Dieu l'a créée parfaitement pour moi. Elle a été spécialement créée pour moi. Hein? Je peux bien comprendre. J'ai hâte. J'ai hâte de la mettre sous mon toit. Hein? J'ai vraiment hâte de te voir tout ça. Hein? Donc là, tu parles du mariage déjà. Qu'est-ce que tu as? Le jaloux. Tu n'as même pas un seul Neira. Tu n'as rien. Tu fais même rien là. Pourquoi tu es pressé pour le mariage? Reste encore petite amie et petite amie. Hein? Le mariage là, c'est pour toujours. Oh. Quand vous y entrez là, il n'y a pas de chemin de retour. Oh, Inkem, si nous arrivons sur le pont, nous allons le traverser. Une fois que nous arrivons sur le pont, nous allons le traverser. Ah, moi j'ai parlé. Tu vois, laissons d'abord que ces plans-là puissent marcher. Et tu sais que si ces plans-là marchaient, okay. Tous ces rêves seront bien réalisés. Il n'y a pas oui. De problème. Tu es un homme, alors tu vas faire tout. Tout ce qui est vraiment de ta volonté. Mon frère, toi tu es un ami que j'aime beaucoup. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? Hey, maman. Ton médicament est fini, oh. Qu'est-ce que tu veux dire par mon médicament est fini? La dernière fois que tu m'as donné, tu ne savais pas que c'était fini. Je n'avais pas vérifié. Tu n'avais pas vérifié. C'est ce que je t'ai toujours dit. Déjà, quand ça reste 2-3, tu as déjà me signalé. Ce n'est pas que tu viens directement pour me dire que tes médicaments sont finis. Désolée. Désolée maman. Pour toi-même. Oh, bon, là. Anna. Bon après-midi, tonton. Oh, Binangwa. Merci, je vais. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Et bienvenue. Toi? Je vais bien. N'est-ce pas que c'est celle-là? Elle vient juste de me dire que mes médicaments sont finis. Je suis bloquée. Je ne sais quoi faire. Ifi, tonton. C'est déjà terminé? Oui. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai d'autres médicaments. J'ai acheté de nouveaux médicaments pour vous. Tu as amené un nouveau lot? Oui. Oh non. Oui. Non. Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Tu vois, maman, j'avais calculé quand les anciens étaient terminés. C'est pourquoi je m'étais décidé d'acheter de nouveau pour vous.
parce que je ne veux plus que tu manques tes médicaments. Non, que Dieu te bénisse. D'allô. Merci, maman, hein? Merci beaucoup. Ah, tonton, merci, c'est très gentil. Amen, que Dieu te bénisse. Ifi, donne à maman ses médicaments. Oui. Mais vas-y me prendre de l'eau, tu te mets encore comment? Apporte aussi de l'eau, hein. D'allô, merci. Maman, ça va aller, hein. Maman, prends soin okay, de toi. Ok, c'est bon. Je dois déjà rentrer. Salut ta mère pour moi, je hein. Je maman. On prend soin bye. De toi, hein. Bye-bye, yo. Bye, maman. Maman, tantôt Obina est vraiment un bon homme. J'aimerais avoir un homme comme ça dès que je serai prête pour une relation. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Tu auras un homme comme lui. Oui, maman, c'est ça. Je te rendrai fière. Ok, c'est bien. Allez, tiens, tes médicaments. Excusez-moi. Oui, monsieur. C'est toi le professeur. Oui. Donc tu es celui qui a cassé le bras de ma copine. Qui ça? Pourquoi tu peux avoir attends, agi attends, ainsi? Attends, attends, attends. Pourquoi attends, tu es attends, méchant attends. Comme ça? Donc tu es très méchant. Je te parle, tu manges. Tu es fou. Reviens ici, je vais te frapper. Reviens ici. Je te dis, ma sœur, tu sais quoi? Donc, bientôt, je deviendrai une mère. Donc, la femme de quelqu'un, je n'arrive même pas à imaginer. Attends, du genre dans peu de temps, il y aura un enfant qui va commencer à m'appeler maman. Moi également, je suis impatiente de devenir la femme de Obim. J'imagine mon comportement quand je serai sa femme. Mais, tu sais, Obim est le meilleur. Et quand je dis le meilleur, c'est vraiment le meilleur de tous les hommes de ce village. Ma soeur, c'est pour ça que je dis que tu es chanceuse. Je ne dirais pas la même chose pour Ike. Tout ce que je fais, c'est passer un peu de bon temps avec lui. Peut-être que Dieu finira par m'envoyer quelqu'un de bien et j'irai. Mais quant à lui, tu sais qu'il est radin. Très radin. Chika. Chika. Quoi? Es-tu sûr que ce n'est pas de ta faute? Es-tu sûr que ce n'est pas toi qui stresses Nkem? Ifoma, tu me connais très bien. Hein? Nkem n'est même pas. Je le sais. C'est moi qui m'accroche à lui. Il ne m'aime pas. C'est moi qui reste accrochée à lui. Peut-être qu'il va changer. Peut-être qu'il finira enfin par m'aimer. Et lui, de son côté, adore ça parce qu'à chaque fois qu'il a besoin de faire l'amour, il vient vers moi. C'est tout. Qu'est-ce qui te fait rire? Arrête, c'est pas drôle.
Ma maman. Jolie fille. Oui, maman. Oh. T'es réveillée. Ah. Tu as presque fini. Oui, je suis presque à la fin. Maman, où sont tes vêtements sales? J'aimerais aussi les nettoyer. Ah, ah. Mes amis sales. J'étais venue ici d'ailleurs pour te demander d'aller manger à la maison. Hein? Tu as lavé beaucoup d'habits. Regarde un peu ce que je suis à la corde. Et tu veux encore venir laver mes habits? Non. Maman, t'inquiète, je mangerai après avoir terminé. Hmm? Dis-moi où sont tes vêtements sales. Je vais les nettoyer, s'il te plaît. Tu sais où les trouver. Ok, je vais alors chercher. À son pékewa. Oui, maman. Ma jolie fille. Deu. Maman. Hey. Si toutes les filles de cette communauté étaient comme Ifoma, ce village allait être un bel endroit à vivre. D'ailleurs, si toutes les filles étaient comme elles, ce monde allait être vraiment merveilleux. Hein? Imaginez, cette fille, une fille bien éduquée et polie. Oh, Dieu, je te remercie pour avoir donné la sagesse à mon fils afin de choisir cette fille. Je te remercie. Maman? Oui? Maman, tu allais manquer des pagnes, non? Ah ah. Hein? Regarde, alors, lave-les. J'ai oublié de tout nettoyer. Tu vois maintenant, hein? Lave-les, ma fille. Oui, je vais tout nettoyer, maman. Je vais tout nettoyer. D'ailleurs, je vais pousser tous les vêtements de Obim de l'autre côté et je vais mettre le tien. Tu vas repasser? Et je vais faire un effort de terminer tous ces vêtements. Et quand il va rentrer, il sera content. Hey! Obim est de retour. Maman. Oh. Chérie. Hein? Tu es en train de laver mes habits. Obim, mais pourquoi? Arrête! Non, arrête. Hein? Faut arrêter ces histoires. Hein? Je ne veux pas que tu aies des stress. Obim, je ne stresse pas du tout. J'aime bien le faire pour toi. Ne t'en fais pas, je peux le laver. J'ai des bras. Ok. Obina. Maman. Obina, c'est quoi ton problème? Hein? Obina, c'est quoi ton problème? Laisse-la, elle est une femme. Maman, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu lui as même donné tes habits qu'elle lave pour toi. Je n'aime pas ça, maman. Je ne veux que rien de mal ne puisse lui arriver. Je veux qu'elle puisse toujours paraître jolie, attrayante et très mignonne partout. Obim, tu dois te reposer. Laisse-moi le faire. Non. Tu ne peux pas. Ne t'en fais pas. Je vais les laver seule. Je vais faire la lessive seule. Obim, elle est une femme. Laisse-la faire ses travaux. Hein? C'est mon travail. Elle est une femme. Qu'elle ne lave pas tes habits. Qu'elle ne m'aide pas aussi à faire la lessive. Il fait très chaud ces derniers temps. Tu es toujours comme ça. Maman. Obina. Comment tu vas? Tonton, bon après-midi. Celle-ci est en train de me dire. Oui, maman, ça comment va. Tu vas? C'est qui celle qui est à mes côtés? Laisse-moi. Maman, tu te allez, sens qu'est-ce bien que maintenant, vous pensiez? Non? Je l'avais déjà compris. Comment ça va? Vous avez fait une sortie sans nous inviter. Maman, c'est pourquoi. Et Yves, il prend. Je crois que vous avez apporté quelque chose pour nous. Bien quelque sûr, chose de maman, spécial. Bien sûr. Un bon riz, tu vas beaucoup aimer. Et les poulets. C'est vrai. Oui, maman. Vu que tu ne pouvais pas venir avec nous, c'est pourquoi nous nous sommes décidés de t'apporter quelque chose. Vous ne nous avez pas invités, non? Comment on allait partir? Veux-tu aller avec nous? C'est une sortie entre amoureux. C'est une sortie entre amoureux. C'est juste pour nous deux, maman. Ok. Ok, je crois que vous ne vous abusez pas. Ah non, maman. Non. C'est loin de là. Ok, puisque tu as souligné que c'était un amoureux. Oh, s'il te plaît. Nous ne sommes pas comme ça. Oui. Hey, maman, je dois partir maintenant. Oui. D'accord. Oui, maman. Mes salutations à ta mère. Ça lui parviendra. Tonton, merci beaucoup. Je t'en prie. N'oublie pas de saluer ta mère de ma part. Pas de problème, elle entendra maman. Dois-tu partir si vite? Oui, je dois aller rapidement à la maison. Reste un peu, non? Ah, toi aussi, viens m'accompagner, viens. Moi, je suis fatiguée, je n'ai pas de force. Viens d'abord, non? Laisse-moi. Ah, grande sœur, sois gentille. Viens, ah, oui. Revoir, tu fais trop maman, de fière. Prends soin de toi. Oh, bye. Hey, ouais, Obina. Maman. Hey! La façon dont tu t'es léché les doigts, hein. Maman. Heureusement, Dieu t'a aidé, sinon tu allais te je te regardais quand tu mangeais. Et t'étais Dieu. J'allais arracher mes doigts. Hé, hey, maman, Adamazi. Attends, laisse-moi te poser une question. Avant que tu ne commences à parler d'Adama. Ok, maman. Quelles sont les épices qu'elle a utilisées pour assaisonner ses poulets? Maman, moi aussi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que... Et qu'Adamazi est le meilleur cuisinier. Quand il te prépare,
D'ailleurs, le repas était délicieux. Très bien. J'ai vraiment aimé. Yami. Oh, mais j'ai entendu dire qu'Ada est la meilleure cuisinière. Maman, cette demoiselle vous prépare très bien. N'es-tu pas celle qui vient de témoigner ici que sa nourriture était très, très délicieuse? Oui, tu l'as témoigné ici, non? C'est ça, mais je le dirai à Ifoma. Tu préfères la nourriture d'Adama qui est la sienne. Ah, maman. Maman, je ne veux pas de problème. Oh. Je ne veux pas de problème, tu es averti. Maman. Si tu ne veux pas de problème, tu as intérêt à aller m'en acheter. Sinon, je le dirai à Ifoma. Maman. Tu sollicites la corruption. Maman. Ok. Tu le feras ou pas? Pas de problème. Je vais le faire. Mais seulement. Tais-toi. Là maintenant, tu as maman. Parlé. Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais t'acheter encore beaucoup plus. Heures. Sinon, je le dirai. Tu aimes ça. Hey, Obim. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, pourquoi cette vitesse? J'ai pensé qu'on te poursuivait. Rien ne me poursuit. Je voulais juste venir te donner une surprise du matin. Surprise du matin? Oui. Obim, tu sais que tu es plein de surprises. Et si je te demande de fermer tes yeux maintenant et que tu devines, je sais que tu vas gagner. Mais tu sais que je ne suis pas bon en ça. Laisse-moi juste... Prends, ça c'est l'argent, ça c'est ton argent des divertissements, et aussi les frais scolaires sont ici, et je veux que tu puisses être la toute première de ta classe, ok, prends. Obim. Tu fais quoi? Assieds-toi. Obim, merci énormément. Assieds-toi. Merci, je ne sais pas comment te remercier. Merci énormément pour tout ce que tu fais pour tu moi. Tu sais, je t'aime beaucoup. Ifeiwa! Ifeiwa! Grande sœur. Hey, Ifeiwa, viens. Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures beaucoup, arrête. Bon après-midi, tonton. Ifi, comment ça salut, va? Salut, tonton. Ifeiwa, devine quoi? C'est même pas question de deviner. Obim, a emmené pour nous l'argent. Mon argent de test et ton frais scolaire. Vraiment? Oui. Grande sœur! Tonton, merci. Ok, merci. J'apprécie beaucoup. Merci. Ah, tonton, merci. Regardez, je veux que vous mettiez du sérieux dans vos études, d'accord? Hé, hey, tonton. D'accord. Que Dieu te bénisse. Arrête, non. Vraiment. Arrête. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Qu'est-ce qu'on s'est ri sans toi? Merci beaucoup, tonton. C'est une somme importante. Merci. Merci. Je t'aime. Je t'aime énormément. Obim. Merci. Je peux faire n'importe quoi pour vous. Je vous l'avais dit. Et je vous avais dit aussi de ne pas du tout vous inquiéter. Tu es un envoyé des dieux pour ça, c'est vrai, grande sœur. Ok. Tu es un envoyé des dieux pour ma mère, ma sœur et moi-même. Bien sûr. Merci. Lâche-moi un peu, tu veux? Je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu me donnes de l'argent. Donne-moi de l'argent, toi. Mais tu parles de quel argent? Je ne te dois rien, moi. Tu n'as pas honte de toi. Tu n'es pas censé prendre soin de moi. N'est-ce pas que tu es mon petit ami? Hein? Tu ne sais pas que c'est l'homme de prendre soin de sa femme? Tu te rappelles que tu es mon petit ami quand il s'agit de sexe. Mais le reste ne te regarde pas. Tu ne partiras pas d'ici jusqu'à ce que tu me donnes de l'argent. Mais qu'est-ce que tu dis là-même? Je n'ai jamais pris soin de toi, hein? Quand il y a un problème, je t'ai toujours aidé. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je ne comprends même pas. Tu es malade. Regarde un peu ce que tu fais là. Et les gens sont en train de nous voir. Et c'est ici que moi j'habite. Tu n'as pas honte. Arrête mais lâche-moi un peu comme arrête. Ça, hein? Da, regarde-le. As-tu mangé? Comment as-tu passé la nuit? Tous les jours, tu ne fais que me poser des questions. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu vas me donner de l'argent pour manger? Tu n'as pas honte de me poser toutes ces questions. Tu ne sais même pas prendre soin de ta femme. Et que donne-moi de l'argent. Si tu me donnes pas, je ne vais pas te lâcher. Tu m'embarrasses, oh. Écoute ce qu'il dit. Ça m'embarrasse. Mais tu veux quoi? C'est les devoirs de tes parents de prendre soin de toi, n'est-ce pas? C'est sans tes parents qui doivent t'acheter à manger et prendre soin de toi, hein? Mais pourquoi tu me déranges comme ça?
Mais pourquoi tu m'embarrasses comme ça? C'est mon avenue. Laisse-moi un peu d'abord, hein? 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 Laisse-moi un peu tranquille. Je tu m'embarrasses beaucoup là. Jésus-Christ de Nazareth. Mais hein, attends. Non, s'il te plaît, arrête, n'essaie même pas. Je n'arrive pas à imaginer comment est-ce que je me suis rabaissée jusqu'au point de sortir avec un vaurien comme toi. Hein? Juste écoute un peu ce que tu es en train de vomir avec ta bouche. Tu sais quoi? Je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu vas me donner de l'argent. Je suis là. Donne-moi de l'argent. Mais qu'est-ce que tu fais là comme ça, s'il te plaît? Laisse-moi un peu tranquille. C'est ici que j'habite. Hey, mais s'il te plaît, c'est quoi les problèmes, s'il te plaît? Hein? Quand je te donnais ça, tu touchais, tu caressais, tu léchais. Tu ne savais pas? Maintenant, pour prendre soin de ça, c'est devenu difficile. Hein? À cause de toi, mes cheveux sont comme une folle. Ok, nous allons résoudre ça, mais s'il te plaît, laisse-moi un peu d'abord tranquille. Ne te fatigue pas, je ne veux pas te lâcher. Je dis que nous allons résoudre ça, s'il te plaît. Laisse-moi un peu tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi, laisse-moi. Attends. Quoi? Attends, s'il te plaît, arrête. Arrête. Tu veux faire quoi? Rien du tout. Tu avais dit que tu ne veux pas du sexe avant le mariage. Et je veux respecter cela. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu regretteras. Tu sais que ton corps est très chaud, tu es vraiment un vrai homme. Attends. Quoi? Es-tu sûr que tu ne les prends pas chez quelqu'un d'autre? Oh bébé, arrête. Parce que tu chauffes trop. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que je ne peux pas le faire avec une autre personne. Tu es l'unique femme dans ma vie, comment est-ce que je vais le faire? Tu vois? Tu m'es provoqué. Je blague juste avec toi, je pensais que tu allais t'emporter. Attends. Donc tu blaguais. Je te testais. Jésus-Christ vient me sauver. Hey, Obimo. Et qu'en est-il si j'ai succombé? Je savais que tu ne pouvais pas. Je savais que tu es un homme attentionné. Bébé, tu es sucré. Tu es l'un des meilleurs. D'ailleurs, je sais que je ne peux pas prendre l'avantage sur moi. Je t'aime énormément.
Comment vas-tu? Bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi. Je vais retirer un peu d'argent. Combien? 5 000. Hé, Oga, je n'ai pas assez montant. Comment ça? Comment ça tu n'as pas 5 000? C'est 5 000 seulement que je vais retirer. J'ai dit que je n'ai pas assez montant. Yeah. Mais c'est quoi? Donc si je retire 5 000 maintenant, et toi tu vas prendre 1 500. Hey. Aïe. Mais ce que nous traversons dans ces pays, c'est vraiment quelque chose d'autre. Mais je vais faire quoi là? Bon, vas-y. Vas-y, on fait seulement. Hein? Je n'ai pas d'autre choix. Mets ton code. Ouais, je dois mettre mon numéro, c'est ça? Hey! Ikem, mon chéri. Hey, Ikem, chéri. Arrête ça, s'il te plaît. Je t'ai vu. Mais... je t'ai vu avec mes deux yeux. Donne-moi s'il te plaît, arrête un peu de faire ça. Fais sortir l'argent. Je suis venu demander quelque chose. Sinon, je vais me mettre à crier. Les gens vont nous entendre. Venez, oh. Mais calme-toi, je suis venu lui demander quelque chose ici. Hé, hey, les gens vont nous entendre. Fais sortir la carte. Je t'en prie, mais je vais crier. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Calme-toi, hein. Bien, dis-moi. Combien est-ce qu'il te doit? 5 000 naira. 5 000. N'est-ce pas que c'est toi qui gérais hier en disant tu n'as rien, zéro? Hein? Hé, hey, Obine, tu es méchant. Tu es très radin. Les gens vont nous entendre. Donne-moi de l'argent. Je ne vais pas te lâcher. Viens, approche. Donne-moi ça. Donne. Tu me suis depuis ton village, c'est ça? C'est toi. Hey. Quoi, tu veux toujours gâcher mon humeur? Hey, c'est toi qui me suivais chez nous. Ike, si tu ne veux pas que les gens viennent, donne-moi de l'argent, je t'ai dit. Si tu dois savoir, c'est pour toi que j'essaie de retirer cette somme d'argent. S'il te plaît, essaye de me lâcher. Retire tes mains de moi, s'il te plaît. Ikem, mon chéri, mon amour. Tu as tout gâché. Lâche-moi un peu, s'il te plaît. Tu as déjà tout gâché. Oh, Ikem, désolé. Je suis désolé. Regarde ma chemise. Bébé, je suis désolé. Ikem. Tu as gâché mon numéro, s'il te plaît. Laisse-moi bébé, tranquille. Laisse-moi, je n'ai plus rien à te donner. Allez, laisse-moi. Arrête. S'il te plaît. Ah. Regarde-toi. Tu veux utiliser cette excuse pour t'échapper? Je sais que tu es radin. Tu es tellement radin que tu ne peux pas dépenser ton argent pour quelqu'un d'autre. Je te connais. Tout fier, quoi. Je ne sais pas ce que je fais avec toi. Tu ne peux pas être comme ton ami. Juste, regarde mon ami. Elle est très chanceuse. Son petit ami fait tout pour elle et sa famille. Mais toi, donne-moi de l'argent. Tout ce que tu sais, c'est me toucher partout. Donne-moi de l'argent. Non. Écoute. Radin. Tu as tout dit, n'est-ce pas, hein? Tu as tout dit, n'est-ce pas, hein, c'est ça? Obinna et Ikema ne sont pas le même. Ils sont différents. Oui. D'ailleurs, Obinna, n'est qu'un lâche. Oui, ce n'est qu'un lâche. Ce n'est même pas ce que tu penses là. J'en ai vraiment assez. Tu as raison. Vous n'êtes pas pareil. Ah. Oui, d'ailleurs, la réalité est que tous les deux, vous vivez dans des mondes différents. Toi, tu fais partie de l'association de radins. Et Obina ne fait pas partie de votre groupe. Tu es très égoïste. Va faire quelque chose de ta vie parce qu'aucune femme ne voudra sortir avec un radin de ton espèce. Fia! Regarde-toi. Chica. Chica. J'en ai assez. J'en ai assez. S'il te plaît, disparais avec ta pauvreté. Moi, c'est moi que tu appelles pauvre. Allez, va-t'en, s'il te plaît. Pas de problème. Regarde-le. Tu n'as pas honte. Radin. Ah! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qui m'a fait ça? Hein? Avec tout ce que je possède, comment est-ce que je peux finir dans le bras de ces garçons? Ta! T'inquiète, on verra. Obinna, j'avais dit, tu dois minimiser et arrêter les dépenses sur cette fille. Ok. Arrête ça. Mais pourquoi? Ok. Est-ce que tu peux juste me dire le pourquoi? Attends, je vais te dire. D'accord. Mon cher, il ne faut pas faire confiance aux femmes. Chika qui est ma petite amie, elle me demande même d'acheter des choses comme toi t'achètes pour Ifoma. Tu comprends? S'il te plaît. Réfléchis un peu. Calme-toi, la façon dont tu dépenses l'argent, c'est trop. Inkem. Premièrement, Ifoma n'est pas n'importe quelle femme. Ifoma est mon amoureuse. Elle est ma femme. En fait, elle est tout pour moi. Deuxièmement, il est de mon devoir, hein, en tant qu'homme, de prendre soin d'elle. Oui,
Et tout ce que tu vois, c'est tout à fait normal que je le fasse parce que c'est ma femme. Tu sais, le côté le plus bon de tout ça, c'est qu'elle ressent la même chose que moi. Elle m'aime de la même manière que moi. Tu as compris ça? Si je ne le fais pas pour elle, un autre homme le fera pour elle et puis elle va me la ravir. C'est ce que tu veux? Inkem, c'est ce que tu veux? J'ai compris ton plan. Il se peut que tu sois en train de courtiser ma femme. Tu courtises ma femme. Inkem, tu courtises ma femme. Attends. Réalise bien ton attends. Plan. Une minute, attends un peu. C'est ce que tu penses. Attends. Obina. Tu penses que moi j'ai vraiment des yeux sur ta femme, hein, c'est ça? Ce n'est pas toi qui dis que tu es mon ami, mon gars. Et tu dis que j'ai vraiment des yeux sur ta femme, hein? Attends un peu. Mais mon gars, qu'est-ce que tu dis là comme ça? Je dis quelque chose de plus important ici. Et tu dis que moi j'ai des yeux sur ta femme. Inkem. Hein? Inkem. Inkem Bobo. Ah, Jésus. Inkem Bobo. Bien. Inkem, je n'ai pas besoin que tu m'apprennes comment traiter ma femme. Je n'ai pas besoin que tu me dises ça. Mais je veux juste te donner un petit conseil. Traite ta femme avec gentillesse. Pas seulement ta femme, mais n'importe laquelle. Traite-la avec gentillesse et tu verras que toute chose deviendra parfaite selon ta volonté. Si tu traites cette femme de manière excellente, elle va te donner tout ce que tu veux. C'est de ça que j'allais te parler. Mm-hmm. Tu es maintenant un motivateur. Tout ce que tu veux. Hein? Mm-hmm. Fais attention à ne pas ruiner ta vie. Tu me comprends? Hein? Fais attention à ne pas ruiner ta vie. Je t'ai déjà dit. Moi, j'ai déjà parlé. Ouais. Ah, toi aussi. Inkem. Continue à faire ce que je suis en train de faire. Maman Ifi. Maman Obina. Bon après-midi. C'est toi. Oui. Bienvenue. Merci. Prends place. Comment tu vas? Je veux bien. Non. Comment tu vas? Ça va. Et toi? Je veux bien. Grâce à ton fils. Je continue d'être heureuse dans cette maison. Je suis ravie parce que maintenant tu es contente. Tous ces derniers temps, tu ne faisais que pleurer et te plaindre. Non, tous ces jours sont déjà passés. Maintenant, je suis heureuse. Amen. Bienvenue encore une fois. Je vis les marchands de légumes là-bas avec des légumes frais. C'est pour ça que je voulais te demander si tu en voulais, pour que je les achète pour toi. Oh, maman Obina, je ne sais pas de vous deux qui a hérité la générosité de l'autre. Si ce n'est pas toi, c'est Obina. Cette générosité, vous l'avez dans votre sang. Vous le faites tellement naturellement. Votre niveau de générosité est très élevé. Hein? Moi qui pense comment préparer les abacha. Tu surgis pour me dire... Tu vois, ça tombe bien. Laisse-moi aller le prendre pour toi. Toi, j'allais prendre l'argent. Non. Je l'ai vu, voilà pourquoi je t'ai demandé si tu en voulais. Ah, vraiment. Merci beaucoup, Dalo. Je n'ai pas besoin de ton argent. Merci. Qu'en est-il de ma belle-fille? Est-elle là? Non. Elle prépare ses examens. Alors, pour s'y faire, elles font des cours d'encadrement. Elles ne finissent pas à temps. Qu'elle prenne son temps, l'essentiel c'est qu'elle réussisse. C'est bon. Alors, laisse-moi aller le prendre. Je reviens. Ok. Merci. Non, Dieu m'a béni. Vous êtes tellement généreux. Ah, Dieu vous bénira, vous ne manquerez de rien. C'est qui? Qui est là? Je peux entendre le bruit de personne. Obina, mon fils. Maman. Bienvenue. Quelle surprise. Maman. Bienvenue. Je suis là. Et Foma, et Feyuma. Obi. Grande sœur, c'est le groupe électrogène. Maman, les groupes électrogènes. Maman,
Je sais que dans les générateurs, village, nous n'avons pas l'habitude d'avoir de l'électricité. C'est pourquoi je m'étais décidé de vous apporter un générateur. Je veux que vous puissiez vous concentrer et affronter bien vos examens, ok? Voilà pourquoi je vous ai acheté ça. Ça, c'est l'essence. Ça, c'est pour aujourd'hui. Je serai en train d'apporter l'essence tous les jours. Juste de me rassurer que vous ne soyez pas dans l'obscurité, d'accord? Oh, oh, mais qu'est-ce que je fais pour te mériter? Tu es très bon. Je t'aime. Merci. Hé, hey, tonton, je prie que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Maman, remercie-le pour moi. Ah, ah, il faut manger, je l'ai déjà dit. Je ne cherche ici qu'une opportunité de sauter dans son cœur. Merci, 10 000 fois. Merci, merci infiniment. Merci, non. Maman. Tout ce que je veux, c'est votre bonheur. Merci. Votre bonheur rend mon cœur joyeux. Merci. Maman, je dois partir maintenant. Ok, merci. Merci. Maman. Merci pour les générateurs. N'oublie pas ton pouce-pouce. Maman. Hey, bébé, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, chérie, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille, je vais crier. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît. Arrête, je vais mettre à crier. Ok, d'accord, alors donne-moi de l'argent. Si tu me donnes pas de l'argent, donc, oublie. Chérie, s'il te plaît, donne-moi juste un peu. S'il te plaît, chérie. Un peu seulement, s'il te plaît, chérie. Ok. Combien de fois dois-je me répéter? Je t'ai dit que je ne ferai rien avec toi. Mais chérie... Jusqu'à ce que tu me donnes de l'argent que je t'avais demandé. Hé hey! Ma chérie, s'il te plaît. Mm-hmm. S'il te plaît, chérie, oui, je t'en supplie, sucre. S'il te plaît. Juste un peu. Oudou? Je veux juste un peu. Écoute, juste un peu. Et puis, ça sera bon. Juste un peu. Tu n'as pas honte, ça sera bon. Ça sera bon. Tu n'as pas honte. Quand il s'agit de ça, tu deviens doux. Juste un peu, chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, non, chérie, s'il te plaît. Ne me cherche pas de problème, chérie, sinon je vais crier. Je vais crier. Mais pourquoi tu parles comme ça? S'il te plaît, baisse un peu ta voix. Les gens risquent d'entendre. Hein? Va pas parler comme ça. Les gens risquent d'entendre ici. Alors, donne-moi de l'argent. Pas d'argent. Pas de sexe. Chérie. Non, quand même, tu vas pas me refuser, s'il te plaît, chérie. Respecte-toi. Hey, attends. Donc, tu veux dire que si je te donne l'argent maintenant, là, nous allons faire... Simple. Donne-moi de l'argent. Hein? Chérie, mais pourquoi tu agis aussi méchamment avec moi? Pourquoi tu me fais ça, chérie? Pourquoi tu fais ça? S'il te plaît, sois un peu gentil, s'il te plaît. Mais tu sais bien, attends, tu sais bien que je n'ai pas d'argent maintenant, tu sais que je n'ai pas. Alors, fais le virement. Donc, tu es vraiment sérieuse? Très sérieuse. Oh, bébé, s'il te plaît. Arrête tout ça, ça ne va pas marcher. Fais les transferts. D'accord, c'est bon. Donne-moi ton compte. Aïe. 20. Hein? 51. 51. 24. 24. 6-5. 6-5. 1-2. 1-2. Fidelity Bank. Fidélité. Maintenant, tu es vraiment sérieuse, hein? Ah, sérieuse. Ok. Chica, n'est-ce pas? Oui, Chica. 20 000, oui. Mais c'est ça que j'essaie d'envoyer, c'est ça, j'envoie ça. Mais 20 000. Oui, 20 000, c'est ça, c'est oui, 20 000. Fais-le. Attends un peu, on attend le message. On va déjà débiter. Ok, c'est fait. Merci. On fait maintenant, non? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? Arrête, viens. C'est quelle blague que tu me fais comme message. Ça? Attends, patiente. Mais c'est quoi ton problème comme patiente. Ça? Tu voulais l'argent, je t'ai déjà transféré l'argent. C'est quoi encore le problème? C'est quoi le problème? Le message vient. C'est ce que tu avais fait la dernière fois. Non. Ah, viens ici. Arrête de blaguer. Viens là, viens là. Un groupe électrogène? Oui, ma sœur. T'es pas sérieuse. J'étais aussi surprise, oh. Hey, hey. Si tu viens chez moi maintenant, tu verras la lumière. Le matin, à midi, ainsi que le soir. Hey, hey. Obim est un homme très bon dans tous ses membres. Tu fais plaisir. Obim est une bonne personne.
Il est où, ma sœur? Il est une bonne personne. Dieu merci, mon Ike est en train de changer petit à petit. La fois passée, il m'avait remis 20 000 naira. 20 000 naira. 20 quoi? Né, je suis contente pour toi, ma oh. Ma sœur. Vraiment? Hey! Alors qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il change? Je n'avais rien fait de spécial au nez. Je lui avais juste dit que j'avais besoin d'un peu d'argent pour m'acheter des habits et autres. Et il m'a remis. C'est tout. Je suis contente pour toi. Eh bien, tu sais quoi? Bientôt, Obi va nous acheter la télé. Hey, qu'est-ce qui manque? Vous avez déjà de la lumière, donc la télévision, c'est pas grand-chose. Ah, Obim, Obim, s'il te plaît, Obim. Ah, Obim, arrête, non. Bim, bim. Ah, Obim, arrête. Maman, viens prendre ton fils, oh. Obim, attends. Je vais bien. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé sur ton dos? Mais derrière? Attends, 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 je vais voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je crois que c'est bon déjà. Es-tu sûr? Ok, c'est bon. Ça peut ça être... Ça doit être la dame là. Je crois que tu t'es assise sur un endroit qui a de l'huile. Je t'aime. Oh, mais laisse-moi partir, je dois aller préparer pour laisse-moi aller laver pour toi. Laisse-moi aller laver pour toi avant que tu partes. Laver quoi? Mais c'est que nous venons d'acheter... S'il te plaît, s'il te plaît, fais pas ça. Non, non, je refuse ça. Non, pas ça avec moi. Ne dis plus ça, s'il te plaît. Je veux pas ça. Non. Oh, bim, c'est attends, mon travail, attends. Arrête. C'est mon travail, arrête. Je t'en prie. Tu es déjà chez moi, non? Laisse-moi laver pour toi avant que tu veux partir avec alors, ça comme ça. Alors, à quoi consiste mon travail? Hein? Comment je peux te laisser le laver? Suis-je stupide? C'est juste que j'ai pas besoin que tu te fasses de stress. S'il te plaît. C'est pas que... Arrête de me traiter comme un enfant. Je ne le suis pas. Je suis ta chérie, oui, je le sais très bien. Mais laisse-moi laver ça, parce que c'est mon travail. Tu sais que je n'aime pas que tu sois stressée. Je ne veux pas aussi que tu te stresses. Hein? Ton travail, c'est de faire l'argent. Et le mien, c'est de te rendre heureux. Ok? Tu veux que je t'apporte quoi demain? Ok, bien sûr. Tu sais que je préfère ça. Tu aimes beaucoup oui, ça. Oui, tu sais que ta nourriture est très délicieuse. Et la tienne est très bonne aussi. J'en ai beaucoup mangé, c'est très bon, je te dis. Tu veux goûter ça? Oui. Reviens ici. T'es ma bouche. Attends, je vais prendre pour non, toi. Non, 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 donne-moi. Les voici, les voici. Attends, je vais prendre les miens. Dieu, je te prie, s'il te plaît, donne-moi un homme comme tonton Obi. Je marre de rester dans la méditation. Il est tellement bon. Quel crime ai-je commis? Pourquoi je ne dois pas être comme ma sœur, Ifi? Elle a tellement de la chance. S'il te plaît, Seigneur. Bénis-moi avec un homme comme tonton Obina. C'est tout ce dont j'ai besoin. Oui, je veux commencer par ce numéro-ci. Oui, le numéro D consiste en caractéristiques. Tu as compris. Oui, le numéro 3 consiste en les mots. Ah, les concentrants de... Comment ça va? Obim, qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais être au travail, non? Oui. Je sais que tu allais avoir faim. C'est pourquoi je me dis de venir. Je voulais t'acheter quelque chose chez cette dame-là d'à côté, mais elle n'est pas là. C'est pourquoi je suis juste venue te donner l'argent pour chercher quoi manger. Non, chérie, tu devais acheter les chips. Tu sais très bien que j'aime beaucoup ça. Oh. Je suis désolée. Ok. Oh non, j'en veux. Je vais te donner l'argent, tu vas aller acheter ça toi-même, ok? Ok. Assam. Tiens,
Prends ça. Ah, qu'est-ce que c'est, non? Est-ce ton argent, hein? Ouais, c'est notre Est-ce argent. Qu'il est ton petit ah, ami? Non, 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 c'est pas grave. Prends ça. Achetez autant que vous voulez. Ok, oui. Attends, non, d'accord? Merci. Merci je vous en énormément. Prie. Oh, dis-moi d'abord, est-ce que ça va suffire? Ok, laisse-moi ajouter pour toi. Prends ça. Hey. Merci, Obim. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Merci, prends bien soin de toi, ok? Je t'aime. Je t'aime beaucoup, chérie. Ça suffit. Allez, remettons-moi la lecture. Je t'aime je aussi, t'aime. Chérie. Va je au travail, tu sais, mon retard. Oui. Au revoir. On devait lire beaucoup, hein. Nous allons étudier. Je vais faire ta fierté. Je sais que vous arriverez. Bye. Bye, bye. Calme-toi. Calme-toi, c'est mon petit ami. Ce n'est pas le tien. C'est quoi ça, hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que c'est bon? Le... Oh. Bye. Va. Ces garçons vont me tuer avec l'amour. Ah, il va me Allez, tuer. Ma part, donne-moi ma part. Attends, attends d'abord. Attends, attends. Les chips, c'est à combien? C'est à 300 Naira. Ah, il faut moi. Tu es gradine. Je ne le suis pas. C'est pour nous deux. Ne m'appelle pas ainsi, hein. Je vais m'énerver, s'il te plaît. Arrête ça. Je refuse. Mon petit ami n'est pas le tien. Okay, c'est Alors, bon, je n'ai qu'à prendre ce que je te donne. C'est Sinon, pas ta faute. Je tu sais quoi? Refuse. Juste, donne-moi ma Sinon, part. Tu me laisses t'ajouter des 100 Naira. Tu vas acheter le coca. Comme ça, ça va t'aller. Fais ce que tu peux, c'est pas grave. Obina. Olisa Binonibwe, merci. Hey! Je suis l'homme le plus heureux dans ce village. Hey! Vous savez pourquoi? Mon bébé. Mon amour, Obim, elle m'a rendue heureuse. Oui. Elle a passé son examen national et elle a fait des résultats merveilleux. Je suis heureux. Moi également. Je ne souffre pas en vain. Très heureux pour toi. Et pour ça, mon bébé. Mon amour. Mon cœur. Hein? Je veux que tu me dises tout ce que tu veux que je te donne. Tout ce que tu veux que j'achète pour toi. Je vais te l'acheter. Tout ce que tu veux, je vais le faire. À cette occasion, nous partons d'ici jusque chez Madame Socha. Obina, mon gars! En tout cas, ça doit se fêter. En tout cas, je dois... mon amour, si nous partons là-bas, qu'est-ce que tu voudras? Je veux beaucoup de choses. J'en veux vraiment beaucoup, okay. Je dis. Hein. Je veux un chez-vous. Hein? Kobe, Azu. Tout ce qui est mangeable. Même ton n'est pas là. Respecte. Bon, mais non, partons. Mettons-nous sur les chemins. Nous prenons notre temps ici. Ça, c'est notre véhicule. Alors, on y va. On y va. Bientôt là, je vais acheter la Bugatti. Oui, je sais. Obina. Je suis vraiment heureux pour toi. La vie est très belle. En tout cas, je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux. Madame Socha va nous sentir aujourd'hui. Non. Maman, mon Dieu te bénira. Ici, tout ce que tu fais pour nous, t'ouvrira de portes. Amen. Dieu le fera pour toi. Maman, non. Je suis en train de faire ce que je suis supposé faire. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, mon fils. Tu as vraiment les yeux spirituels. Oui. Tout ce que tu fais pour elle, Dieu te le rendra. Amen. Elle remplira tes greniers. Amen. Tu ne manqueras de rien. Que personne ne sait pas ce que Dieu a eu. Ici. Non, dès que tu es prêt, en fait, tu peux aller avec elle. Ne te dérange pas de payer quoi que ce soit. Viens juste la prendre et vous partez. Tu as assez payé. Oui, non? Non, mais voyons, avec tout ce qu'il fait, c'est déjà beaucoup, non? Oui, c'est tellement bien. Maman, tu vois, je vais continuer à payer tout ce qui est nécessaire. Oui, je vais le faire. Ok, Dieu te bénisse. Merci, tonton. Oh, non. Maman. Merci. Tu as porté la joie et le bonheur dans la vie de ma fille. Tu as été notre provision. Oui. Elles n'ont manqué de tout ce dont elles avaient besoin. Nous n'avons manqué de... Tu as toujours été là pour nous. Donnez-moi vos mains. C'est maman, le voici. Tchaï, Aka. Tes mains sont tendres comme ça. C'est donc ces mains tendres qui emportent ma fille. Maman. Tes mains sont comme celles d'un bébé. C'est toute cette beauté qui a captivé ma fille. C'est des beautés.
sont appelés à habiter ensemble. Amen. Aucun homme ne pourra séparer ce que Dieu a joint. Amen. Désormais, vous vivrez ensemble. Oui. J'ai béni vos entrailles. Amen. Donnez-moi des jolis petits-enfants. J'ai ainsi prié au nom de Christ. Amen. 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 Oh. Maman, merci. Et à part qu'il vous bénisse aussi et qu'il vous garde pour nous. Amen. Sont-ils partis? Il y a un silence total. Qu'est-ce qu'ils font? Maman, ils sont là, ils se font des câlins. Allez, mais quoi donc? Ils ont besoin de ma bénédiction. Dis-moi la vérité, es-tu en train de me cacher des choses? Maman, elle s'embrasse. Hey, pourquoi tu m'as dit la vérité avant? Pourquoi tu m'as dit qu'ils sont en train de blaguer? Es-tu en train de blaguer avec moi? Maman, nous sommes juste en train de causer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh, mais je pense que je dois m'arrêter ici. Je dois commencer un business pour que je puisse t'aider financièrement. Non, Ingem. Non. Je veux que tu continues avec tes études. Je veux que tu ailles à l'université. Hein? L'éducation est une bonne chose. Je suis à la hauteur de la tâche. Peu importe ce que ça va coûter. Sois sûr que je paierai le tout. Je veux juste que tu continues avec tes études. Mon amour, je sais que tu es capable. Je le sais. Mais je ne veux pas seulement être celle qui reçoit. Je veux juste t'aider. Je veux être à tes côtés et t'aider financièrement, s'il te plaît. Je comprends. Je comprends vraiment que tu as besoin de m'aider. Mais je tiens à ce que tu ailles à l'université. J'ai besoin que tu continues avec tes études. Ok. Et en fait, j'ai déjà commencé à économiser pour tes frais d'admission. Oui, j'ai besoin que tu continues. En fait, j'aime beaucoup les études. J'aime les études. Mon docteur en formation. Mon docteur en formation. Arrête, tu dis là. Je sais bien que tu aimes ça. Mais ce n'est pas facile de faire ce que tu me dis là. Oui, oh, ce n'est pas un jeu d'enfant, je te dis la vérité. Et parais-je comme un enfant? Dis-moi si j'ai l'air d'un enfant. Oh. Est-ce que ton gars a l'air d'un enfant? Mon chéri est un homme, mais ce n'est pas ça. Ah non, arrête-moi tout ça. Je vais donner tout ce dont ils auront besoin. Peu importe ce que ça va coûter. Je vais m'assurer que tu as à l'université. Je t'aime, chérie. Tu es Mon Dieu. Chica. Hein? C'est quoi ça sur ta tête? Ifoma, à quoi est-ce que ça ressemble? Je travaille. Je vends. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu vends? Oh, que veux-tu que je fasse? J'ai vraiment envie d'aller à l'université. Mais mes parents, pour eux, une fille doit s'arrêter seulement à l'école secondaire. Hein? Maintenant, ils veulent que j'aille me trouver un mari. Je fais ça parce que j'ai envie d'aller à l'université. Je ne comprends pas. Tu veux vraiment me dire que tes parents, ils t'ont dit ça à ce 21e siècle? Tels qu'ils sont là. Pour eux, si tu finis avec les études secondaires, la seule chose à quoi tu dois penser, c'est le mari. Et tu me connais bien. Et alors, à propos de ton petit ami Ikem, mais il peut bien t'assister, non? Nous sommes en train de parler quelque chose de sérieux et tu me parles d'Ikem. Toi et moi savions que ce gars ne fait rien pour moi. Ce garçon est radin, il ne paie rien. Ok, tu sais quoi? Tu ne peux pas être triste. Ok, ne sois pas triste. À partir de demain, je commence à vendre avec toi. Comme ça, nous garderons l'argent ensemble. Oh? Ifoma, tu vas faire ça pour moi? Je sais que tu es mon ami. Alors, donne-moi ce plateau. Donne-moi. Oh. Donne-le-moi, je veux. Oh! Allons-y. Merci. Je vais t'aider. Oh! Arrête, on ne va rien faire. Tu veux me faire pleurer. Merci. Maman, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Vraiment. Au moment où je te parle là maintenant, maman, hein? Ta fille,
sera l'universitaire. Hey, oui. Ça, c'est ma sœur. Laisse-moi te poser une question. C'est vrai que Obina a promis de sponsoriser vos études universitaires. Bien sûr, il l'a dit. Mais quoi, non? Maman Osina, hein? Sa future femme doit être licenciée. Ezoko. Et là, c'est moi. Je dis bien moi, Ifoma. Hein? Je dois être licenciée. Ah, c'est bien, oh. Grande sœur, attends un peu. C'est quoi les savons que tu utilises ces derniers temps? Tu ne m'en as jamais parlé. Tu me donneras ces savons, oh. Moi aussi, je dois me laver avec ces savons. Ça, c'est mon tout ce qui t'intéresse. Oh. Un savon. Donne-moi les savons. Maman, je me lave avec. De moi. Tu n'as pas honte. Au lieu de penser grand, tu veux rester idiote. Je vais être licenciée moi aussi. Mais honnêtement, je n'en reviens pas. Mon enfant va devenir licencié, il va aller à l'université et finir ses études. Je n'ai jamais rêvé de cette possibilité. Maman, c'est Dieu. Je suis très heureuse pour toi, grande sœur. Dieu va vraiment le bénir pour moi. Amen. Maman, Obina m'aime énormément. Je ne sais pas comment le remercier pour sa gentillesse. Cet amour est très énorme, maman. Tu ne peux que les chérir en retour. Oh, maman, vraiment. Dieu va bénir Obim. Obim. Tu as rendu ma fille folle. Maman, c'est pas Obina, c'est Obim. Oh, désolé. Désolé. Maman, c'est l'amour. Inkem. Oui, Inkem, tu dois aider cette fille. Tu dois l'aider. Comment peux-tu dire que tu l'aimes? Et tu la laisses souffrir comme ça. Hein? Ah, Obinaya. Qui t'a dit qu'elle est en train de souffrir? Elle est en train de faire ses affaires pour se faire un peu plus d'argent. Et qu'est-ce que tu es en train de dire là? Je me demande qui te raconte toutes ces bêtises. Obina. Hein? Obina. Toi et moi savons qu'elle n'est pas heureuse dans ce qu'elle fait. Ce n'est pas bien. Tout ce qu'elle fait ne profitera en rien. Obina, tu n'as pas honte de toi? Regardons ta femme marcher. Hein? Tu dois normalement avoir honte de toutes ces choses. Obina, tu ne comprends rien du tout. Je suis très fier d'elle. Oui, je suis fier d'elle. C'est une bosseuse. Oui. Obina. Oui, c'est une bonne femme d'affaires qui fait son argent. Obina, toi et moi savons que personne n'est heureux dans ce pays. Inkem, arrête de généraliser cela. Hein? Arrête de généraliser ça. Nous sommes en train de parler de ta femme. Hein? Regarde, dans tout ce que tu me dis, tout ce que tu as voulu toujours me dire, tu soulignes toujours que tu aimes beaucoup cette fille. Mais si tu l'aimes beaucoup, pourquoi tu la laisses faire ce genre de travail? Pour l'aider. Hein? Je sais que tu gagnes de l'argent. Je sais que tu gagnes beaucoup d'argent plus que moi. Hein? Mais pourquoi tu ne veux pas aider ta femme? Pour la laisser faire comme ça et tu dis que tu l'aimes. Obinaya, je ne crois pas qu'il faut dépenser de l'argent sur une femme, juste pour lui prouver mon amour pour elle. Oui, écoute, Obina, j'aime beaucoup ce que les gens disent. Au lieu de dépenser son argent sur une femme, c'est encore mieux de la faire instruire. C'est comme ça mon frère, je ne le ferai même pas. Donc calme-toi, je ne le ferai même pas du tout mon frère. Au lieu que je fasse instruire une femme avec mon argent difficile, c'est encore mieux de m'acheter un book. Et je sais qu'avec ce book, et si ce book croit, je vais le vendre et me faire plus d'argent. Tu m'entends? Ça c'est ridicule. Selon toi. Ça c'est incroyable. Inkem. Obinaya. Inkem. Inkem, Obinaya. Mais est-ce que tu ne sais pas que quand tu aides une femme, tu es favorisé? Plus particulièrement celle que tu aimes. Particulièrement ce que tu aimes. Maman, je pars, oh. Il fait quoi? Occupe-toi de la maison, hein. Donne maman les médicaments. Oui. Ah, Obim, que fais-tu ici? Obim. Ça va? Pas de bisous. J'espère que t'es prêt. Je suis prête, bien sûr. Je suis venu t'accompagner. Je veux m'assurer que tu vas prendre un véhicule. Monter à bord, hein?
qui va te déposer à ta destination, gong gong, sans un problème. Je peux bien partir toute seule, non? Pourquoi tu te stresses? Je ne suis pas en train de me stresser, hein? Je suis en train de faire ce que je suis supposé faire. Je n'ai pas besoin que tu puisses rater cet examen. Ah ah, l'examen commence à 12h. Et maintenant, il est encore 9h. Je ne suis pas en retard. Ah, ah. Oh, va à ton travail, va travailler. Mais est-ce mal? Est-ce mal pour toi d'aller là-bas à temps? Hein? C'est d'ailleurs une bonne chose qui va te rendre capable de superviser l'environnement. De revoir tes notes avant l'examen. Oh, mais merci de m'aimer énormément. Je t'aime. Je ne sais pas. Écoute, je me rassure de faire ta fierté dans cette vie. Ok? Je te crois. On part. Je ne veux pas que tu sois en retard. On part. Oh. Je ne veux pas que tu sois en retard. Waouh! Salut, ma belle. Tu ne m'as pas l'air bien. Tu m'as l'air triste. Est-ce que ça va? Oui, j'attends mon motocycliste. Oh, je ne sais pas. Il n'est pas encore là. Ok, si ça ne te dérange pas, laisse-moi te donner une place. Ou peut-être même t'emmener quelque part où on pourrait avoir un petit tête-à-tête, tu vois, un peu. Ah non. Mon petit ami ne sera pas content si je le fais. J'ai un petit ami. Vous pouvez partir, monsieur. Merci. Qui dans ce monde n'a pas un petit ami ou une petite amie? Dis-moi un peu. Viens avec moi, je t'en prie. Non, j'ai un petit ami, oh. Pardon. Qui n'a pas de petit ami dans ce monde, hein? Petit ami, mon œil, mais qu'est-ce qu'on dit là? Une aussi belle femme comme toi, hein? Alors laisse-moi t'emmener quelque part comme ça, on va avoir une ou deux discussions, ok? Ce soleil n'est pas du tout bien pour toi, ok? Je peux pas aller avec vous partout, monsieur. Je peux peut-être m'arrêter là devant. Comme ça, je pourrais prendre une autre moto. Ok, cela me va parfaitement aussi longtemps que tu viens avec moi. Hein? Laisse-moi te donner un petit coup de main, je t'en prie. Hein? Oh! Une aussi belle femme comme toi, remplie de charme et de beauté. Aïe, quel magnifique bébé. Regarde un peu comment est-ce que tu brilles. Attends, laisse-moi t'ouvrir la porte s'il te plaît. Par ici. Hey! Je te présente ma magnifique voiture. Ah, oh mon Dieu! Non mais quel plaisir! Waouh! Je suis là! Ijika, ah? Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ah, comment se sont passés les examens? Ah, mon frère, je remercie Dieu, je fais de mon mieux. Oui, c'est bon, il va faire le reste, hein? Et c'est comment pour Ifoma? Je viens de la maison et elle n'est pas là. Ah. Le motard que j'avais envoyé la chercher m'a dit que son engin est tombé en panne. Est-ce que tu connais où elle peut se trouver? Oui. Ah, parce qu'elles ont fini avant nous. Elle devait déjà être à la maison. Ah, mais où peut-elle se trouver? Je prie que rien de mal ne lui arrive. Hein? Où peut-elle se trouver en ce moment? Hein? Calme-toi, Bina. Sûrement, elle a eu un contretemps quelque part. Elle reviendra, elle sera là bientôt. Je veux pas qu'il y ait des gâchis. Hein? Je ne veux que rien ne lui arrive. Hein? Regarde l'heure. Et je crois que tu es venu à temps. Et tu viens à peine de dire que l'examen est fini avant vous. Oui, regarde l'heure maintenant. Fini avant nous. Mais où peut-elle se trouver? Où peut-elle se trouver, hein? Calme-toi. Mais qu'est-ce qu'elle a dû trouver? Je ne veux que rien de mal lui arrive. T'inquiète, ça va aller. Peut-être qu'il serait même que j'aille vérifier chez elle. T'inquiète, ça va aller. Chica, je ne veux que rien de mal ne lui arrive. Je ne veux que rien de mal ne lui arrive. Sinon, je suis fini. Rien ne va lui arriver. Arrête. Laisse-moi juste aller rapidement vérifier chez elle. Pas de problème. Prends soin de toi. Bye bye. Bye. T'inquiète pas, Obi, elle reviendra. Ah, jusqu'à présent, elle n'est pas toujours revenue. C'est bizarre, ça commence à me faire peur.
Elle sera là d'un moment à l'autre. Honnêtement, si je savais qu'elle allait rester à l'université, j'allais l'attendre. Le pire dans tout ça est que sa sœur Ifemi l'a appelée plusieurs fois. Son téléphone est éteint. Ifi essaie de la rappeler. Maman, tu t'inquiètes beaucoup. Elle sera là. Ifemi, appelle ta sœur. Arrête d'argumenter. Moi, je peur. J'espère que rien ne lui est arrivé. Mais où est-ce que tu maman, étais? Bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu? Hein? Bonsoir tout le monde. Maman, bonsoir. Oh. On y a quoi? Ifoma? Maman? Qui est cette personne? Ça, ce n'est pas la voix de Obina. Non, maman. C'est qui? Je ne sais pas. Maman, c'est mon ami. Ton ami? Il s'appelle Stanley. Stanley, quoi? Stanley, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi alors, maman? Je veux bien. Ok. Permettez-moi de vous quitter maintenant, ok? Babe, je dois partir maintenant, ok? D'accord. Ok, prends bien soin de toi. On se voit plus tard, bye. Bye. Grande sœur, comment oses-tu? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Comment tu peux permettre à un gars de t'accompagner à la maison? Et si Obina était ici? Ifeyiwa, juste calme-toi. Je suis sûre qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Juste calme-toi. Non, permets-lui de parler. Permets-la de parler. Donc, il fait quoi? Donc, tu as eu l'audacité, n'est-ce pas? Tu as pris les ailes. Tu commences maintenant à me défier. Mais elle me défie, non? Non, je ne te blâme pas. Je blâme seulement la faim. Ferme ta bouche. Je quitterai cette maison bientôt pour elle, maman. C'est fini. Depuis quand? Comment oses-tu entrer dans cette parcelle avec un homme? Hein? Maman, c'est juste un ami. Ami, il est doux. Un ami dont nous ne connaissons l'origine. Hein? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas bien. C'est quoi cette histoire? Comment oses-tu? Comment était l'examen? Bien. Regarde comment elle réagit. Ifoma. Maman, je te l'avais dit. Elle jouissait de sa vie et toi, tu es ici en train de te déranger. Ifi, je t'en prie, calme-toi. Hé, toi, ferme ta bouche. Calme-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux nous faire la morale ici? Qui est-ce que tu connais, toi? Obim, tu m'as beaucoup inquiété aujourd'hui. Beaucoup de choses m'ont traversé le crâne. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai déjà grandi. Je suis une grande dame. Ne t'inquiète pas beaucoup pour moi. Je vais bien, je sais bien prendre soin de moi-même. Je suis ton chéri. Et j'ai pleinement le droit de m'inquiéter sur toi. Je suis désolée. Désolée de t'avoir effrayée. Je t'ai écouté. Et maintenant, quand est-ce que les résultats seront publiés? Je ne sais pas. Ils ont dit dans une semaine. Dans une semaine? Ok, allons à la maison, je vais bien te masser. Ok, laisse-moi te masser pour que tes nerfs s'apaisent. Oh, t'inquiète, vas-y, je vais te rejoindre. Tu es sûre? J'ai dit que je vais te rejoindre. Je t'attends. Ok. Maman, as-tu besoin de quelque chose? Ah, qu'est-ce qu'il vient encore faire ici? L'ami de Ifoma, c'est lui qui l'a raccompagné à la maison l'autre fois. Maman, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma chère. Maman, comment vas-tu, maman? Je vais bien. Et toi? Tout doucement, maman. Ça peut aller en tout cas. Est-ce qu'Ifoma est ici? Je suis venue la chercher. Elle n'est pas là. Elle était sortie. Elle était sortie? Bien, elle ne rentre pas maintenant.
Pour ton information, elle est occupée. Elle a un petit ami. Est-ce que c'est ce qu'elle t'a demandé de me dire? Je ne sais pas. Ok, quoi qu'il en soit, merci beaucoup de me l'avoir dit en tout cas. Non. Maman? Pourquoi tu veux la voir? Maman, elle est mon amie, non? Et je ne crois pas que ce soit si mal pour quelqu'un de venir voir son ami, non? Vous savez, c'est une chose tout à fait normale dans notre société. Mmh. Je suis juste venue la voir pour savoir comment est-ce qu'elle allait. Ok. C'est ça, maman. Ok, aussi longtemps que cela nous concerne, elle est sortie. Elle est allée voir son homme, son petit ami. Ok. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un problème. Dites-lui juste que j'étais passé la voir quand elle reviendra. Et qu'elle puisse tout faire pour me contacter parce qu'il y a quelque chose de très important que je dois lui communiquer. C'est non. ça, maman. Mais qu'est-ce que c'est, non? Ce n'est pas quelque chose que je peux communiquer maintenant, mais elle est la seule personne à qui je peux confier cette information, en fait. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème, maman. Ne vous dérangez même pas, ok? Ok. Merci. Tu peux commencer à partir maintenant. Tu peux partir. Merci pour tout, maman. Oh. Tu peux partir. Au revoir. Pars. Ok. N'importe quoi. Ne sait-il pas qu'elle a un homme? Comment est son visage? Il n'est même pas beau, maman. Tonton Obina est plus beau que lui. Macaque. Je suis fatiguée. Je ne peux plus continuer comme ça. Je veux dire, tu me traites comme si j'étais une poubelle. Tu viens vers moi chaque fois que tu as besoin de te satisfaire. Tu me donnes de l'argent seulement quand tu couches avec moi. Je suis fatiguée. J'accepte tout cela juste parce que je t'aime. Mais je n'en peux plus, je suis fatiguée. J'en peux plus. Chika, tu m'aimes. Tu crois que j'ai l'argent, n'est-ce pas? Tu penses que je serai aussi généreux que mon ami? Ne me mens pas. Tu le penses? Tu connais la vérité. Quelle vérité? Mais... si tu choisis de couvrir cela avec du mensonge, c'est bon, c'est pas grave. Mais je dois arrêter, je ne peux plus continuer à vivre avec un homme qui ne me considère pas. Je suis fatiguée, je veux mettre fin à cette relation, je suis fatiguée, j'en peux plus. Oh. C'est fini, j'en veux plus de cette relation. Chika, tu en as marre. Pas de problème. Avant que tu en aies vraiment marre, s'il te plaît, fais-en une dernière fois. Parce que c'est tout ce que tu veux apparemment. Oui, avant que tu ne rompes avec moi, fais-en une dernière fois. Alors, je veux bien te payer. Oui. Tu es stupide. Pour qui est-ce que tu me prends? Attends, tu viens de me gifler. Oh, entrez où? Mais chérie, monte, je vais te conduire. Je suis fatiguée d'entrer dans ce truc ici. J'en ai vraiment marre. Ça sert à transporter les choses et non des humains. S'il te plaît, ça veut dire quoi? Allons-y. Ah, Obi, pourquoi tu agis comme ça, hein? Nous n'avons pas encore des véhicules. Hein? Te contentons-nous de ce qu'il y a. Ok, j'ai compris. Quand nous aurons la voiture, nous allons y entrer. Maintenant, marchons comme ça. Inkem, monte. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe avec je toi. Je veux bien. Il n'y a rien avec moi. Pousse ça et va à la maison. N'es-tu pas fatigué? Regarde comment tu transpires. Inkem, ça c'est pas toi. Tu parles différemment. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien avec moi. Je vais très bien. Tu es sûr? Ok, bien. Comme tu ne crois pas, je vais leur pousser. Non, il faut entrer. Laisse-moi pousser, S'il te plaît. Hey! Ifi, comment vas-tu? Je viens juste de la maison là tout de suite. Ils m'ont dit que tu n'y étais pas. Bon après-midi. Bon après-midi, ma très chère. Comment vas-tu? Je vais bien. Oh, mon cher, elle va bien. Elle va bien. Mais pourquoi tu lui poses beaucoup de questions? Elle va bien. Écoute, mon gars. Comme tu peux le voir, je n'ai aucune marchandise que tu pourrais m'aider à porter, espèce de pousse-pousseur. Mais parle, non, parle maintenant. Qui est-il? Parle. Je te présente mon ami. Il est mon petit ami. Ok, je vois, ton petit ami. Ton ami? Obim? Quoi qu'il en soit, je n'apprécie vraiment pas la façon dont vous tenez là debout.
Si ça ne vous dérange pas, laissez-moi vous conduire tous les deux, là vous pouvez aller. Mon cher, merci beaucoup, hein. Merci, merci beaucoup. Nous ne voulons pas entrer dans ton voiture. Juste prends ton véhicule et pars. C'est quel genre d'intimidation? Nous n'allons pas entrer dans ton véhicule, va-t'en. Ceci nous suffit. Quand j'aurai l'argent, je vais lui acheter un véhicule. On s'en va, on s'en va. Laissez-moi au moins, je veux dire... Monsieur, occupe-toi de tes affaires. On s'en va. Tu feras mieux d'enlever ta sale bagnole ici. N'importe quoi. Non mais sérieusement, voyez-moi ça, un simple porteur en train de punir une aussi belle fille comme Mathieu sous ce soleil accablant vraiment. Quelle était la signification de tout ça? Qui étaient ces garçons? N'avais-tu pas entendu que je t'avais dit qu'il est juste un ami? C'était juste un ami. C'était juste un ami dans cette condition? Ne vois-tu pas l'admiration sur son visage? Ne vois-tu pas comment ce garçon est en train de te regarder, t'admirer? J'étais stupéfait regardant son visage, la manière dont il te regardait. Et tu appelles ça un ami? Oh, mais tu ne fais pas réagir. Pourquoi? Je t'avais déjà dit, mais pourquoi est-ce que tu ne me crois pas du tout? Je t'ai dit qu'il est juste un ami, il n'y a plus rien d'autre. Je ne veux pas ça, je refuse. J'évite les ennuis, je ne veux pas. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. C'est ça la raison? Qui t'a poussé à agir ainsi, il n'y a pas longtemps. Donc c'est ça la raison qui t'a poussé à agir comme ça. Hein? À cause de ces garçons. Tu as même eu des difficultés de me présenter comme ton homme. C'est vrai? Oh ben tu... Tu es sérieux maintenant? Suis-je sérieux là? Je ne m'inquiéterai plus de rien. Et je n'ai même pas besoin de savoir qui il est. C'est que je vis là-bas. Et ce que je sais, c'est qu'il veut prendre ce qui m'appartient. Et je ne le permettrai pas. Obim. 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 Iforma. Qui est cet homme qui commence à venir te chercher ici à la maison? C'est quoi la relation que tu as avec cet ami? C'est quoi la relation que tu as avec lui? Il est mon ami. C'est ton ami? Oui. C'est quel genre de relation que tu partages avec lui? Nous ne sommes que des amis, il n'y a plus rien d'autre. Ce gars n'a pas l'air de quelqu'un qui veut juste une simple amitié. Il fait, ouais, es-tu folle? Je jure devant Dieu, si tu oses encore ouvrir ta bouche dans mes affaires, hein, tu auras vraiment une chute. Assez, assez! Es-tu folle? Assez! Qu'est-ce que c'est? Écoute, tu n'as qu'à arrêter tout ce que tu entretiens comme relation avec cet homme. Je ne veux qu'il n'y ait rien entre toi et Obina. Oui. Attends, maman. Donc, à cause de Obina, je ne suis pas permise d'avoir un ami? Pas avec le genre de personne. Maman, tu vois cette fille? Si tu oses encore ouvrir ta bouche dans les affaires qui me concernent, je te dis, tu ne vas pas aimer, oh. Tu ne vas pas aimer, je te dis. Hey, je vois ce que tu veux faire. Laisse-moi encore te dire, je ne suis pas ton ami. Il faut, moi, j'ai dit que tu arrêtes. Ok. Elle sait de quoi elle parle. Coupe ta relation avec cet homme. Est-ce que tu me comprends? Il faut, moi. C'est bon, alors. Très bien. Je sais que je t'ai élevé comme un bon enfant. Et tu l'as toujours été. Excusez-moi. Où est-ce que tu vas? Elle est allée à la maison. Bien. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre elle et Obina. Oui, maman. Tonton Obina s'est beaucoup donné pour nous. Ike.
Ah! Hé! Hey, tu veux me tuer? Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Non, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Veux-tu le tuer ou quoi? Hein? Quel genre d'intention que tu as comme ça? Non, je ne peux pas intentionnellement vouloir tuer ce pousse-pousseur. Je suis sérieux, non, je suis désolé. Hein? Je vais comment est-ce que tu avais fait ta main? Es-tu contre lui? Je suis désolé, ce n'était pas... Ifi, je suis désolé. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ces messieurs encore? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Ce n'est pas ce que je pense, j'étais... Hein? Où étais-tu depuis le matin? Oh non, il est juste en train de m'aider pour mes documents d'admission. Ifi, Ifi, dis-moi, de n'importe quelle façon tu veux que je t'aide avec ton admission. Dis-moi, je le ferai pour toi. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te voir aller loin de moi. Je t'aime encore. Tu sais que je t'aime aussi. Je t'aime, tu le sais bien. S'il te plaît. Allô à la maison, s'il te plaît, je te verrai plus tard. Laisse-moi t'aider, je vais pousser. Monte, je vais te conduire. Oh non, laisse-moi t'aider. Oh, mais non, laisse, non, je vais le faire pour toi. Je veux plus te voir avec ces messieurs encore. Je t'aime. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Depuis que je vis avec Obina, je n'ai jamais pensé à un autre homme. Sur ce que je ressens avec Stanley, est-ce que ça veut dire que Obina était juste une aide pour ma destinée? Je ne comprends pas. Hey. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Obina est un bon homme, il n'y a pas de doute. Mais je dois suivre mon cœur. Stanley est tout ce que j'aime chez un homme. Il est mon homme de rêve. Je me sens emportée par lui. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Montrez-moi un signe. Je ne veux pas blesser Obina. Et qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais m'y prendre? Comment? Oui. Mon frère est ici pour déclarer son intérêt dans votre fille Ifoma. Il veut l'épouser. Maman, laissez-moi vous dire que c'est une introduction officieuse, vous savez, juste pour avoir votre consentement. Mon ami et moi, ainsi que toute ma famille, nous viendrons ici bien préparés. Oui. Vous voyez? Mais pour le moment, j'ai juste besoin de votre consentement et aussi pour vous prouver que je ne viens pas ici pour faire perdre du temps à votre chère fille. Si je dois confesser, je dirais que je n'ai jamais aimé une fille comme je l'ai aimée elle. Au fait, elle est mon genre. Elle est vraiment le genre de femme que j'aime. Je l'aime du plus profond de mon cœur. Je veux vraiment l'épouser. Je veux l'épouser, moi. Je veux faire d'elle la mère de mes enfants. C'est tout. Ok. La mère de tes exact, enfants. Exact, maman. Tu veux épouser ma fille. Exact, maman. Oh, Maka, pour ton information, ma sœur n'est pas à la maison. Mais je peux te rassurer que... ma sœur ne va jamais t'épouser. Ferme ta bouche. Ifeimoi, ferme-la. Ferme ta bouche. Maman, es-tu en train de soutenir que cet homme épouse ma sœur? Es-tu folle? Je dis que tu la fermes et tu continues de parler. Biko, aide-moi à me lever pour que je salue mon beau-fils. Aide-moi à souhaiter la bienvenue à mon beau-fils. Ma maman, je ne le ferai pas. Hein? Mon beau-fils, viens me saluer. Maman? 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 Fou bon. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Viens encore l'épouser. Veux-tu lui faire du mal? Qu'est-ce que c'est?
Et il m'a vraiment frappé. Hein? Ne vois-tu pas que c'est une réponse à nos prières? Dieu a répondu à mes prières. Hein? Je prie un homme pour qu'il me donne un homme encouragé. Un homme qui sait chercher l'argent. Un homme qui est riche. Veux-tu maintenant le chasser pour moi? Hein? Tu ne l'épouseras pas. Tu ne vas pas l'épouser. Je vais l'épouser, oh. Tu n'apporteras pas la honte et la disgrâce jamais, à cette famille. Maman. Ah, ah. Écoute, Obina est ton nom. Oui, c'est lui que tu vas épouser. Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Tonton, bienvenue. Maman, comment ça va? Je vais bien. Obina, je ne sais pas te dire ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Écoute-moi, Obina. Je voulais te le dire depuis très longtemps. Ok? Obina, tu es un homme bon. Obina, je ne peux pas nier que tu étais toujours là pour moi. N'oublie pas que les oreilles ne dépassent pas la tête. Je t'aime. Tu sais très bien que je t'aime. Alors laisse-moi te dire ceci. J'apprécie tout ce que tu avais fait pour moi dans le passé. Mais pour le moment là, c'est lui que j'aime. Je vais passer le reste de ma vie avec lui. Hein? Mmh. Quoi? Tu m'as entendu. Attends. De quoi veux-tu parler? Ce que je dis est... C'est lui que je vais épouser et je l'aime. Écoute, mon gars. Elle n'a pas cessé de me parler de plein de bonnes choses à propos de toi. Alors, je dirais que si ça ne te dérange pas, tu peux juste donner n'importe quelle somme que tu as eu à utiliser pour elle. Je vais te le restituer 10 fois, tu sais, quel qu'en soit le montant. Et d'ailleurs, si tu es assez sage, tu pourrais l'investir dans plusieurs bonnes affaires et le multiplier. Je sais que tu as été un bon garçon. Pour avoir pris soin de ma chérie, tu sais, tu as vraiment été un très bon garçon. Ce n'est pas possible. Obina, un bon garçon. Obina, es-tu un garçon? Maman? Hein? Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe ici. Quoi? De quoi tu parles? De quoi veux-tu parler? Oui. Bien, je vais te tuer. C'est ça. Je vais te tuer aujourd'hui. Va aller. Va aller. Il faut le frapper. Je vais te prendre mon côté. Là où il va encore je vais te tuer. C'est bon. Reviens ici. Reviens ici. Ne reviens plus jamais. Viens épouser. Plus jamais ici. Viens épouser ma soeur. Viens le plus jamais ici. Viens le tuer. Vous devez venir ici. Je suis après ta leçon. C'est bon.